Hey hey hey, salut les petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Donc ça, on va continuer le jeu directement, on va retourner dans notre baraque bureau dégueulasse et on va continuer les missions pour pouvoir se perfectionner. Voilà, tout simplement. Voilà, on va ouvrir. Tchouk, tchouk. Tac tac tac, on ferme. J'ai hâte de remettre tout ça en place, moi je vous le dis. Bon, mais pour l'instant, on va avoir besoin de travailler. Nettoyage du garage ou radiateur. On va faire les radiateurs, c'est plus relou avant. Si je dois payer pour quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne sais, paye pas. The winter is coming. Les hivers sont rudes et dans ma maison, il n'y a pas de radiateur. Hasta les ans. Oui, monsieur. On va aller voir du coup une maison pour avoir aussi. Quel genre de décoration nous pouvons faire? Ouais, c'est toujours très très joli. Hein. Alors, il y a une mise à jour qui vient d'être faite pour le jeu. Et c'est... Bon alors là... Ah non, c'est pas ce que je voulais. Excusez-moi. Non, je voulais pas brandir mon balai. Il y a une mise à jour. Et on peut donc... Ah bah voilà. On peut donc installer la... Oh, une petite chambre de bébé. Oh, chez moi, non, tout plein. On peut donc acheter... acheter. Installer les radiateurs... Enfin, pas les radiateurs, mais des toilettes et tout ça, les plomberies où on veut. Et ça, c'est cool. Alors. Non, c'était... C'était installation... Installation. Oui. Hop. E, install. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il fallait rester cliquer dessus. Passion radiateur. Radiateur is coming. You know what I mean. Voilà, ça en fait un déjà. Une tâche 100% faite. Voilà. Alors, c'est 10 mètres carrés la chambre. Elle n'en fait pas autant, je dirais quand même. Non, arrête avec ton balai. Ça suffit. On va refermer la portinette. Hop, ici. Qu'est-ce donc? Nous arrivons... Ah, sur une... Non, c'est un salon. Oui, d'accord. Alors voilà, c'est des petites pièces, tout ça, mais c'est des éléments qu'on pourra aussi installer, nous. J'arrête avec ça. Quand on refera des maisons. Et effectivement... Ça promet d'être sympa. Et après, on peut casser les murs et compagnie. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Ça sera tout, tout petit, tout mignon. Enfin, tout petit. Ça sera joli, mignon, au goût du jour. Avec mes goûts aussi. Donc, attendez-vous à des trucs bien moches. Voilà. Passion radiateur. Nous avons installé ici. Voilà, c'est un peu vide. Hein, mais effectivement, on peut faire des trucs sympathiques. Mettre des rideaux, il me semble aussi. Ça, nous avons fait la deuxième porte. Ouf! C'est les Sims version in-game. Hein. Un jour, on va arriver aux Sims. Que ça... Oh, la jolie petite salle de bain toilette. Il n'y a pas de lavabo. Ils ont préféré mettre un sèche-linge. Alors là, c'est un autre... c'est tab. Et c'est ça. C'est ce que j'avais mis dans ma maison. Voilà. C'est la passion même, radiateur. Après, c'est sympathique, hein, mais c'est vrai que c'est un peu long quand on en fait 15 000. Et sachant que dans toutes les maisons, il manque les radiateurs, je pense qu'ils ont mis un peu trop l'accent sur le radiateur dans ce jeu. Donc, vraiment, on dirait que c'est le radiateur, c'est la monnaie. C'est la monnaie du jeu. On paye le radiateur. Alors ça, c'est fait. Voilà. On peut sortir. Hop! Ici, on ne connaît pas cette pièce-là. On entre. Ah, voilà un vrai salon! Vous voyez, avec le canapé, tout ça. Bon, pour moi, il manque un peu un tapis. Il manque aussi un écran télé. Mais on peut faire quand même des choses sympathiques. Voilà, c'est vraiment sommaire. Hein. Et il a déjà son radiateur ici, donc on n'a pas besoin d'y aller. Oh, bah, ici, par contre, ça communique, j'imagine. Avec la salle. Ah, la cuisine! La salle à manger cuisine. Très bien. On peut fermer.
Pas de tâche ici à faire. 3 sur 4, monter les équipements. Donc, il faut chercher. Faut se balader dans la maison. D'accord, donc c'est là d'où je viens. Qu'est-ce qui est que... Quoi? Oui, là on est dehors. C'est sympa, hein, j'aimerais bien avoir une petite picoque comme ça aussi, moi. J'ai dû louper un truc. Ici, il n'y a pas de tâche. Est-ce que ce serait ici? Fermer la porte. Là, Non, parce que celui-là... Là, je suis perplexe. Là, il me dit pas de tâche. Non, bah, c'est pas grave, on va réouvrir tout, hein. Ouais, 2 sur 3. La chambre de bébé... C'était fait? Ouais, moi, pas forcément comprendre. Eh ben voilà, c'est ça, c'était l'installer l'évier. Oh là là. Le lavabo, c'est bien ce que je me disais, il manquait un lavabo. On va acheter donc ça. Et comment? Ah, j'ai des améliorations disponibles. Ah, un monteur. Allez, on va améliorer ça. Et plâtrier. Attendez, arme à tout faire, construction. Base de la peinture. Ah oui, non, c'est juste en homme à tout faire que je dois mettre. Oh, on va carreler aussi. On va mettre un point en carreleur, même si on n'a pas encore utilisé. Alors, installation. C'est quoi ça, climatisation? Ah. Électroménager, non, cuisine. Salle de bain. Évier installé. Oui, bah on va prendre ça. Oula. C'est vrai qu'à chaque fois, la souris. J'ai essayé de régler un peu moins fort, mais. D'accord. Et on met le petit boulon. On met les petites rondelles. Et on met le petit boulon. Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas encore une professionnelle du robinet. Ah oui, d'accord. En même temps, ça me fait rire. Ah, c'est comme ça qu'il visse. Je sais pas, moi je clique. Hein. Ils sont mignons. Alors voilà, j'ai installé. Ouais, j'ai installé un lavabo. Et donc, j'ai mon chantier qui est fini à 100%. Je vais peut-être fermer les portes. Quoique après, on s'en fiche, hein, on est d'accord. J'ai un peu tout ouvert partout. Le mec va dire... Ça va, il s'est fait plaisir, le gars. Enfin... Normalement, c'est bon, j'ai fini. Voilà, je vais sortir, je vais fermer la porte de la maison. Et terminer la mission. Oui! Et on gagne 678 passimflouz. Mais alors, mes photos et images. As-tu remarqué qu'en utilisant l'onglet Galerie sur la tablette, tu pouvais choisir n'importe quelle image du disque dur et l'utiliser comme poster ou comme cadre à suspendre au mur? Ah non! Ah, c'est rigolo! Tu peux aussi utiliser la caméra pour prendre des photos du jeu et utiliser tes œuvres sur le disque dur. Oh, bah c'est sympa! Faire des photos de nature, comme ça, ou de la ligne de tension, et voilà, il y a genre ça. Hein? Est-ce qu'on peut... On peut pas faire... Qu'est-ce qu'on fait? Il saute. Bon, on va aller faire une nouvelle mission, on n'a pas que ça à foutre les enfants. On rigole, hein, mais on voit pas le fond du bol, hein. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai la disponibilité de faire les...
Ah oui, ça y est, on pourra. Bah, on n'a plus le garage. Ah si, c'est ça. On va faire nettoyer le garage. Après, on aura la peinture et compagnie. Et là, ça pourra être vachement plus intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir transformer des pièces et ce sera beaucoup plus sympa. Nettoyage du garage de Caroline Martin. Bonjour. Pour tout dire, il faut nettoyer mon garage. Jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Pensez aussi à faire les vitres. Ouais, d'accord, super. Un truc que je fais jamais, quoi. Et les outils, le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne trouve plus. Salutations. Super petit garage, magnifique. Alors, je dois atteindre 70%. Attendez, garage. Oh, voyez la petite voiture. Bonjour la voiture. Maintenir pour ramasser. USA 4. 564. Ok. Allez. Oh! J'ai sorti mon balai, ça y est, j'en peux déjà plus. Oh, c'est classe! L'ouverture du garage. Et voilà! Et les ordures à jeter, donc c'est sympathique. Tac, tac. Parce que sensibilité de la souris, je l'ai réglée à moindre, mais elle est quand même très, très très forte, hein. Donc j'essaye de pas trop bouger. Maintenir pour ramasser. Non, ça on bouge, on touche pas, on a dit. Tac. Tac, tac. Je veux dire, le mari, il pourrait le faire aussi, hein, jeter les cartons. Le vieux pneu. Tac, tac, les cartons. Moi, je vois mon mari, il laisse un garage en cet état. Je lui dis, putain, mec, je fais la grève, hein, de ce que tu sais. Oh là, je sens que. Oui. Bah, les vélos, vous allez tomber par terre. Oh, j'arrête avec mon balai. On dirait que je sors des choses. On va mettre là. Appuyer pour placer. Ah, fermer. Non! Attendez. Voilà, je peux le mettre là? Oui! Waouh! Qu'il est beau le vélo! C'est pas il est beau le lavabo, c'est il est beau le vélo. Alors attendez, est-ce que c'est vrai que je suis pas obligée de rester appuyée? Où est-ce qu'on peut le mettre? On va le mettre là. Voilà! C'est quand même mieux, non, pour dévirer les affaires. Maintenant, je vais passer à ressortir mon balai. Et toi aussi, tu. Et coucou, tu veux voir mon balai? Oh, les bonnes traces de pneus. Ah, bah alors, traces de pneus. On te voyait plus en soirée? Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant que de voir passer faire le ménage, mais c'est addictif. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est addictif aussi de voir quelqu'un passer le balai espagnol sur les tâches du garage. Puis c'est magique, ça s'en va tellement facilement, bordel. Voilà. C'est vrai que c'est un peu lent par contre, hein. Prochain point d'amélioration, je mets le balai espagnol un peu plus rapide. Voilà. On va renettoyer ici. Voilà. Là, il y a des gros caca ici. Ah, il y a des pneus aussi peut-être à virer là. Oui. Hop, je range mon balai. Mignon! Ah non, d'accord. Ça, c'est juste des bons pneus. Ok. On a nettoyé. Non, il reste encore quelques cracrasouilles. Quelques cracrasouilles, c'était les fenêtres. Alors, on va faire un premier nettoyage de fenêtres. Maintenir pour nettoyer. Ok. Oh. C'est chaud. Et
Mais elle fait pas nettoyer ou quoi? Bah non, mais en fait, c'est pas si facile. Wow! Tu fais des rotations de la mort, mon chou. Ah ah! Wouhou! Ouais, je sais pas, moi j'ai vu des gens qui le faisaient dans les let's play, ils y arrivaient mieux que ça, mieux que moi. Chion! Chion! Miaou! Je pense que je vais devoir m'entraîner avant de nettoyer les fenêtres. Ouais! Est-ce que... Ouais, c'est bon. Ah, c'est crasse-pouille ici. Bah, elle est magique! Ah, et c'est crasse-pouille ici, il y a aussi encore un carton à jarter. Donc. Bah, elle est magique! Il reste encore une tâche. Là. Eh ben oui! Donc, c'est le balai magique. La petite tâche là. Et voilà! J'ai fait les tâches. Le chantier est fini. Ben voilà, je peux m'en aller maintenant. Excusez-moi. Bon, on aurait pu voir la maison. Est-ce que ça vous dit qu'on aille visiter la maison? C'est pas... Normalement, c'est pas à nous, hein, en général. On va visiter quand même. Enfin, vous pourrez voir l'intérieur des maisons. Alors, on a tout ça. Je sors encore mon balai. Ouais, en fait, ça sert à rien. Je vais la laisser ouvrir. Ouverte à des petites patères. Bon, c'est un peu simpliste. Je pense que là, c'est le garage. Ok. Et tout se passe derrière cette porte-là. Waouh! Toute façon, on visitera des maisons qui ont le même, exactement la même gueule, le même aspect. Voilà, on pourra faire des cuisines de ce genre-là, par exemple. C'est assez sympa. Bon, je suis pas convaincue des deux couleurs de mur. Mais bon. Voilà. Et puis regardez, on peut faire des murs. C'est marrant. Bon, je vais refermer puisque le gars, il va se dire. Bande de saligots. Il a visité ma baraque alors qu'il aurait dû aller que dans le garage. Mais c'est vraiment pour vous faire plaisir à vous. Et maintenant, moi, je m'en vais. Allez, à la revoyure, chantier fini. Oh, 397, c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours ça de prix. On va pouvoir rentrer et on va aller à la maison chercher un nouveau chantier. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à fermer cette porte. Puisque de toute façon, on va se téléporter. Hop, je veux mes mails, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Alors, mur amarante, là, on va apprendre préparation à l'accueil d'un membre de la famille. Je vais le faire après, ça. On va apprendre à faire de la peinture. Mur amarante, de Amandine Johnson. Bonjour, j'aimerais donner un petit côté artistique à la maison toute simple que je viens d'acheter. Je vous demanderai de peindre les murs du salon couleur amarante. Les autres murs en gris, ça fera très joli. Ah, j'allais oublier. Merci de bien vouloir réparer les prises défectueuses. Merci par avance. Waouh! Que c'est joli. Alors, ça va être sympa. Félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. Oui, on va pouvoir peindre. À partir de maintenant, tu peux peindre les murs avec un pinceau. Tu dois seulement utiliser la tablette pour acheter de la peinture. Oui. Regardez un peu le quartier. On est en Amérique, hein, avec les petites maisons, tout ça, hein, qui se ressemblent plus ou moins. Ça peut inspirer pour les Sims, se dire, voilà, je vais faire cette forme-là, ou celle-là, ou celle là-bas qui m'a l'air assez grosse maison quand même, on va aller voir. On va pas se faire feu, hein. Voilà. Sympa. Sympathique. Nous, c'est cette maison-là qui nous intéresse. Alors, peindre les pièces. Je pense que c'est ici. Alors, séjour et kitchenette 24 mètres carrés. Peindre avec les couleurs aventure, amarante et gris. Donc, voilà la maison. C'est mignon, hein? Avec le petit tapis Ikea qu'on reconnaît, hein? Alors, mode tablette pour acheter. Ah, j'ai un point. Main rapide, longue portée. Le bon balai espagnol. Ouais, allez. Ça, c'est bon. Magasin. C'est peinture. C'est gris et amarante. Alors, normalement, toutes les couleurs ont déjà un nom. Comme ça, on se fait pas chier. Hein.
on peut chercher. Gris. Hop. Et on va re-acheter un pot de peinture à ma rente. Oh, punaise, d'accord, c'est... Ok. Alors, c'est quoi? C'est peindre avec les couleurs aventure. Alors, maintenant, c'est savoir quelle couleur on fait où. Vous voyez, j'ai mon petit pinceau qui est là. Ah! Oh, mais j'ai un... Mon petit balai, il est... C'est plus... Ah oui, d'accord. J'ai changé de balai. Comment je verrai... Parce que le... ça va flasher, hein. C'est déjà gris de base, hein, derrière. Est-ce que je mettrai pas l'amarante ici? Tac, tac, tac. Ça va flasher de ouf. Et ou là, amarante et amarante. Comme ça, le rose va ressortir et puis gris. Si on a déjà un petit peu d'amarante là. Allez, on va faire ça. Alors. On va mettre ça. Ok. Voilà. On va commencer la peinture. Nous allons peindre. Attention, attention, attention. Ça risque d'être... Mais je sais plus, c'est un mur ou c'est... Ouais, bah dans ce cas, je vais commencer par ce mur-là. J'aime bien la peinture, c'est reposant. Oh, oui. Faut que je me rapproche. Merde! J'ai fait l'autre mur. C'est pas très très grave. La peinture, elle est magique dans ce jeu. Il n'y a pas besoin de refaire plusieurs couches. Enfin, du moins, on met une peinture foncée et au-dessus, on met une peinture claire, ça passe. Bah, j'aime bien! Puis c'est cool parce que ça veut dire qu'on pourra peindre notre bureau en rentrant. Il fallait pas que je fasse les interrupteurs, moi, à un moment donné? Dans le garage, je crois que j'ai oublié les interrupteurs. Oh, oh bah alors là, c'est pour ça que j'ai pas été payée beaucoup. Oh bah tant pis. Hein. Ça arrive. Déjà, mon entreprise va faire faillite, on se demandera pas comment. Eh, il manque encore un peu. Alors, voilà. Ah non, ça, franchement, ça fait moins flashy que sur le pot. Ah oui, ça rend super mignon. Ah ouais, j'aime bien cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur. Peindre avec les couleurs. Ouais, donc on va, ben on va faire ce que j'ai dit. Hein. Ouais, peut-être que je me rapproche, que je foute le nez dedans. Alors, maintenant je peux peindre. Ben on va peindre comme ça. Je reprends. Que j'avais pas... Vous voyez que quand il y a une nette différence de couleur quand le mur, le pan de mur n'est pas totalement peint. Après, on peut jouer avec des dégradés, hein, mais voilà, pas non plus sans kikiner. Je pense parce qu'il faut que je passe. Faut que j'attende de faire le rond complet avant de. Mais j'aime bien, c'est relaxant la peinture. Je préfère largement faire de la peinture comme ça que dans la vraie vie. Hein. On va pas se leurrer. Je sais pas si vous ça vous passionne, mais moi j'aime bien. Tac, tac. Voilà. Faut pas oublier les petits rebords de fenêtres ici et ici. Et c'est vicieux parce que, vous voyez, quand vous faites un dessus de fenêtre, il faut pas oublier de faire en dessous. Eh.
Voilà. Même si on n'en voit pas beaucoup, faut pas oublier le petit bout. Mais maintenir est passé. Ah, j'ai plus de peinture, c'est ça que t'es en train de me dire? Faut que je prenne de la peinture. Oui. Je pense que mon pot de peinture est mort. Alors, on va racheter un autre. Ah, amélioration possible de la peinture. Alors, je voulais améliorer ça. Voilà, on va retourner. Je rachète un pot. N'inquiétez pas, normalement. Après, on peut revendre les déchets et tout. Ou revendre le pot qu'on n'a pas entièrement utilisé. Là, je reprends. Non, celui-là, c'est bon. Merde! Voilà! J'arrête avec mon balai. Est-ce que ça fait sympa? Ça fait sympa, ça fait chaleureux, mais par contre, il y a un vieux reflet dégueu dans le coin. C'est pas GG. Ok, on va peindre. Faudrait que j'utilise mon. On va dire qu'on va utiliser là, voilà. J'ai déjà peint. Ah bah non, c'est là que j'ai pas utilisé. Voilà, comme ça, le peinture, je vais commencer le gris. Hop! C'est la passion, ce jeu. La passion peinture. Oui, ça passe vite quand même, hein. Et en fait, on peut améliorer et après je peindrai de plus en plus vite. Ce qui est pas plus mal parce qu'après me voir faire ça pendant 1 heure, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus génial, sachant que quand je rénoverai toutes les maisons entières, des pièces entières, ça sera vite chiant pendant 1 heure. Et donc non, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il y aura plusieurs pans de mur faits en même temps. Ça sera beaucoup beaucoup plus rapide. Ça c'est bon. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur, madame. Je dois reprendre ma petite peinture. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est joli. Nye. J'ai du mal à rester. Ok, je crois que j'ai plus rien sur mon pinceau. Ah, si. Va retourner en chercher. Ok. On va faire la fenêtre, hein. Oh, non, pas le plafond. S'il vous plaît. Hop, celui-là, est-ce que je l'ai fait ce bout-là? Non, lui. Ah, il n'y a plus de peinture, mais. Ok. J'ai pas besoin de bouger pendant 15 ans. Ok. Là, c'est fait. On va passer au reste du mur. Est-ce que j'aurai assez de peinture? Là est la question, vous allez me poser, hein. Bah, regardez, ça rend plutôt pas mal, non? Après, vu qu'elle nous a pas précisé quel mur elle voulait en amarante et quel mur elle voulait pas. Elle se démerde, hein, après, si elle est pas contente, hein. C'est nous qui jugeons, c'est nous qui disons, bah oui, bah, on va mettre ça. On va mettre ça, on va mettre ça à tel endroit. Et si elle est pas contente, eh ben. Elle nous réempellera ou elle appellera le concurrent et puis elle se démerde quoi. Niarc, niarc. On va repeindre le mur de tout à l'heure qu'on avait fait en rose.
Il me reste plus beaucoup de peinture. Voyez, maintenant on voit plus la différence. Alors, on fait la petite fenêtre. Il reste plus que le haut de la fenêtre. Ni plus de peinture. Que j'aille pas dans les murs, je vais pas aller loin. Ah, c'est bon, je pense que j'aurai assez d'un pot. Peut-être que mon pot de tout à l'heure en amarante, il a bugué parce que j'ai l'impression que j'en avais pas besoin d'autant. Non! Non, ne me dis pas que je vais avoir besoin d'un nouveau. Oh non! La blague, je suis obligée de racheter un. Pour... Vous avez vu ce qui reste? Faut que je rachète un pot de peinture exprès. Oh! Est-ce que j'aurais pas dû faire amarante là, ici aussi? Eh, on se pose la question, hein. Ça fait triste, hein, je trouve. Ouais. Bon, bah, il faut que je rachète un pot de peinture gris de toute façon. Donc, ah, peindre, encore un point d'amélioration. Je veux réduire encore plus le gaspillage parce que justement, vous voyez, ça part vite. Hop, on repart sur du gris. Eh, 16 euros pour rien là. Voilà. Tchac tchac. Non mais franchement. Juste pour ça quoi. Voilà. Attends, ah non, celui-là, il est pas fini. Voilà, j'ai fini. 97%. Ah non, j'ai pas 100% fini. Il doit y avoir un rebord ici. Non, c'est fait. C'est celui-là qui est pas fait ici. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Quatre-vingt-dix-huit%. Qu'est-ce que j'ai pas fait, les enfants? Dites-moi. C'est peut-être de l'amarante que j'ai pas fait. Oui, regardez. Voilà, je suis à 100%. Bon, est-ce qu'on referait pas le mur amarante quand même? Allez, on va tenter. Là, je suis à fond. Puis c'est, il n'y a pas trop, il n'y a pas les fenêtres, donc on y va. Vous allez voir, ça va rendre super bien. Ok. Je crois que c'était un mur amarante, hein, mais je m'en fous royal. Voyez, c'est vachement plus rapide, hein. Je gâche, comme je gâche moins de peinture, ben. Hop. 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 Hop, hein, voilà, madame, le chantier est terminé. Ah, c'est quand même plus cool. C'est vachement plus chaleureux, le fond est gris. Moi, je dis, c'est pas mal. Regardez. C'est sympa. Bon. Montez les équipements. Ah. Ah, non, c'était ici. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah c'était ici, alors c'était pas dans... Qu'est-ce que je dois faire? Mais je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Oh, c'est tout? C'est une blague, fallait que je m'approche un peu plus. Non mais il est... Quoi? Ah, faut que je mette les fils. Ah non, excusez-moi. Mais là. D'accord.
Excusez-moi, j'ai jamais. Alors moi, tout ce qui est électricité, même changer une ampoule, j'ai peur de m'électrocuter. Alors, on m'en voudra pas que je sache pas mettre les fils, les machins. C'est tout? Ah ouais. Dans les autres pièces, une sur deux. Est-ce que je dois changer aussi les trucs ici? Non, ça c'est bon. Donc ben, on va devoir visiter la maison. Ouh! Monter les équipements. Donc ici, il faut que je change une prise. Est-ce qu'on est OP là-dessus? Fermer la porte. Est-ce qu'il faut que je change? Allume puis pour allumer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le radiateur? Moi, je n'y ai pas. Excusez-moi, je suis trop gros, j'arrive pas à passer. Ah, si, il faut que je monte sur le lit. Putain. C'est tellement. Ah, faut être précis. Non, je sais pas. Ah, c'est là! Alors, on va. Ah, oui, il est sacrément dans un sale état, hein. Tac. Ok. Ça y est, maintenant, il m'engueule pas. Il me dit. Alors ça c'est les fils, j'ai bien compris. Et je peux mettre dans l'ordre que je veux, tu vas pas me contredire? Bon, bah tant mieux parce que là. Hop, le petit vis en haut. La petite vis en bas. Clac, clac, clac. Et madame pourra brancher son petit ventilateur. Oh, ils ont mis une petite plante tout nette, c'est mignon tout plein. Je pense que le chantier est fini, les hommes peints. On va pouvoir. Ah ouais, 100%. On va gagner 935 simflouz. Oh, simflouz. Ah, le vieux réflexe, quoi. Et normalement, on n'a pas le. Bon, obligé de laisser ça, hein. Je suis désolée, madame. Et là, on va hop, fermer. Ici, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite chambre d'enfant, c'est mignon tout plein. On va fermer la porte. Et là, je pense qu'on aura un garage. Ah non, la salle d'eau, c'est vrai. Ok. Ben, nous, on a fini, je pense. Nous avons fini pour cette petite maison. Hop. Est-ce qu'on ferait pas une jolie petite. J'ai cru que c'était une ordure. Une petite photo de fleurs. Vous voyez, comme ils ont dit qu'on pouvait faire des photos de fleurs pour mettre dans la maison. On va sortir la tablette. Alors, pas avec le. Caméra. Ah, vous voyez? Ah, c'est comme ça, d'accord. Oula, oui! Ok, non, mais. J'ai pas mon balai qui est sorti, mais alors je vais peut-être zoomer un peu plus, non? C'était pas joli là avec le perron et tout. Je sais pas trop comment. Comme ça peut-être? On va faire une petite photo comme ça. Voilà, bon. C'est pas terrible, hein, mais au moins on y est. Voilà! Donc on va bah, terminer la maison. 935. Oui! On a fait 100%. Le rouge, c'est sexy. Et voilà. Pour. Ils ont mis une petite maison. Une petite maison. Ah, la petite musique. Et nous revoilà notre baraque. Et maintenant, je peux repeindre. Nye. Oui, ok. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. Je pense que je vais reprendre ma maison hors, en off un petit peu pour pas vous embêter avec ça. J'espère que cet épisode vous aura plu et que le jeu vous plaît aussi. Et je vous donne très vite rendez-vous pour un nouvel épisode de House Flipper. Allez, salut!